salut tout le monde, c'est Gangsta, j'espère que vous allez bien parce que moi ça va vraiment bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube qui vous permettra d'avoir une tenue modée comme moi actuellement dans la vidéo. Donc ça vous permettra de transférer les logos de la tenue de course vers une autre tenue, donc c'est franchement assez magnifique. Donc moi je remercie les abonnés qui étaient avec moi dans la session, donc gros big up à eux et merci, sans eux le glitch aurait été impossible. Donc premièrement, vous allez vous rendre à la caissière, vous allez tout simplement vous rendre dans les tenues de course automobile et choisir celle avec les dessins que vous voulez, donc vous choisissez n'importe laquelle. Donc moi, je vais prendre la combinaison course blanche. Une fois que c'est fait, vous allez demander à un de vos amis de s'inscrire en tant que PDG et par la suite de mettre la tenue Playboy. Donc moi, il va tout de suite mettre la tenue Playboy. Donc la tenue Playboy, c'est celle-ci que vous allez voir très prochainement, donc c'est celle-là. Une fois que c'est fait, vous invitera à rejoindre le PDG et vous autres, vous allez attendre qu'il vous confirme qu'il est retourné dans les styles. Une fois qu'il vous confirme qu'il est retourné dans les styles, vous allez accepter son invitation et vous allez lui demander de mettre les tenues sur aucun. Donc là, moi, il va tout de suite les mettre sur aucun. Une fois qu'il les aura mis sur aucun, il fera flèche de gauche, flèche de droite pour retourner sur aucun. Et vous, vous allez ouvrir votre menu d'interaction, aller dans les styles accessoires et dans les gants, vous allez mettre une paire de gants. Une fois que c'est fait, vous allez lui demander de changer les styles jusqu'à ce que vous ne voyez plus le menu d'interaction. Une fois que vous allez plus voir, il va quitter les styles et retourner dans les styles pour finalement mettre sur aucun avec la flèche de droite. Une fois qu'il aura mis sur aucun comme moi vient de le faire, vous allez vous rendre dans accessoires, dans les écharpes, vous allez changer l'écharpe et là vous allez avoir les logos qui sont transférés sur notre tenue. Et en plus vous pouvez enlever l'écharpe, donc moi je trouve que ça fait vraiment assez stylé comme tenue, ça fait une petite tenue de course modée. Donc moi vous pouvez changer le pantalon, mais moi je vous conseille pas de changer parce que je trouve vraiment comme ça c'est stylé et en plus vous pouvez sauvegarder la tenue. Donc moi c'est déjà la fin de cette petite vidéo de glitch, j'espère vraiment qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez vraiment pas à lâcher un petit pouce bleu, m'aider à atteindre les 2K en vous abonnant à ma chaîne, ça fait toujours plaisir. Et moi je vous dis à la prochaine, c'était Gangster du Québec, allez, ciao tout le monde.